David Hallyday et Laura Smet aux Rebelles, et bien une stratégie pour couper les vivres à Laetitia Hallyday. Aujourd'hui, un nouveau round judiciaire a eu lieu devant les juges du tribunal de grande instance de Nanterre. Et les parties ont affûté leurs arguments et la méthode adoptée par les avocats de David Hallyday et Laura Smet, qui ont contesté les dispositions testamentaires du rocker, est de couper les vivres à la jolie blonde, seule bénéficiaire. Et cela dans le but de la contraindre à entamer des discussions, a expliqué Maître Gaël Bouret-Puxy, du cabinet BCTG, qui se livre dans les colonnes du magazine Le Point. Cette bataille se jouera sur le faux, mais le juge des référés peut décider de geler les droits patrimoniaux de Johnny pendant toute la durée du procès, c'est-à-dire longtemps. La SACEM et la Dami bloqueront alors les sommes en attendant de savoir à qui les distribuer. C'est ce qui était arrivé dans l'affaire Maurice Jarre, a-t-il indiqué.